Death Stranding qui va sortir le 8 novembre, je crois que c'est le 8. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas spécialement le jeu, en tout cas, de ce que j'en ai compris, je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Alors c'est exclu pour le moment temporaire, PS4 sortira sur PC, je ne sais pas quand, mais en tout cas pour le moment, il sortira sur PS4. Et c'est un jeu qui a été entièrement financé par Sony. Et donc c'est le premier jeu post-Konami de Hideo Kojima. C'est son jeu, vraiment. C'est vraiment son jeu à lui. Je pense qu'il a eu carte blanche de Sony pour faire vraiment ce qu'il voulait, quoi. Et apparemment, en tout cas, dans les premières vidéos, c'est le cas. On voit vraiment qu'il est allé chercher vraiment ses idées un peu chez les autres, hein, au niveau du gameplay. Mais on retrouve surtout du gameplay, et au niveau des menus, on retrouve vraiment du MGS. Et le but, en tout cas, de ce que j'ai compris, c'est que vous incarnez un personnage et vous devez, en gros, partir d'un point A et livrer des colis à un point B. Et il y a tout un réseau social au sein même du jeu. Et d'après ce que j'ai compris, c'est que c'est un jeu qui se fait entièrement en solo, mais avec des composantes en ligne, c'est-à-dire que vous allez avoir un système de like en fonction de ce que vous faites par rapport à l'endroit où vous allez aller. Vous allez avoir des petits messages, entre guillemets, de d'autres joueurs qui vont vous dire si tu passes par là, ça ira mieux que si tu passes par ici. Mais sans jouer avec d'autres joueurs. C'est-à-dire que c'est un peu comme un peu Bloodborne ou un peu Dark Souls. Quand vous arrivez à un endroit, vous voyez le joueur, ce qu'il a fait, quoi. Et donc là, c'est à peu près le même principe. Mais il y a aussi plusieurs trucs qui sont un peu plus compliqués à comprendre. En l'occurrence, le fait que votre personnage, il a ici, là, sur sa cage thoracique, il a un bébé qui est dans une boîte, comme s'il était in utero. Et donc ça, j'ai pas encore trop bien saisi, en fin de compte, le truc. J'ai l'impression que il fait partie de vous sans vraiment être. Il est pas de vous, mais comment dire, c'est comme un lien. Un lien entre deux mondes, entre celui de votre personnage et un espèce de monde parallèle. Et j'ai l'impression que ce bébé-là, il fait le lien entre les deux. C'est un peu compliqué, j'ai pas encore tout saisi. Mais c'est pas plus mal, parce que je me laisse, en fait, pas mal de surprises quand je sortira. Je pense que je l'achèterai la semaine où il sortira. Comme je vous parlais, il y a un monde parallèle. Il y a des créatures, des espèces de ghosts qui flottent dans les airs. Et lorsque vous les repérez, vous ne devez pas faire de bruit. Donc apparemment, au niveau du gameplay, on pourra retenir sa respiration. Et puis marcher vraiment tout doucement pour ne pas se faire repérer. Je pense que le but du jeu, c'est d'y aller en mode discrétion, en mode infiltration, si on veut. Mais là, il y a une composante, en tout cas, dans le jeu qui vous permet de faire le jeu sans tuer apparemment personne. Alors, ça va pas être mon cas, parce que moi, je suis jamais arrivé. C'est pas le premier jeu qui est comme ça, mais je suis jamais arrivé à faire un jeu sans tuer personne. Je suis jamais arrivé. Mais en tout cas, ce sera possible. Et l'autre chose, c'est que vous pouvez vous déplacer aussi en véhicule. Il y a plusieurs véhicules dedans.
comme personnage. D'après ce que j'ai vu aussi, vous avez des chaussures, mais ces chaussures-là vont s'user. Et en fonction de ce que vous faites, des missions que vous faites, et probablement le poids que vous portez, ça aura une influence sur vos chaussures. Par rapport au sol, peut-être aussi, hein, le sol, s'il est glissant ou moins glissant, ça aura probablement aussi une influence. Et votre personnage peut faire pipi. Ouais, vous avez bien entendu, il peut pisser littéralement. Et dans les vidéos qu'on a vues, quand vous amusez à pisser sur le sol, y a un champignon qui pousse. Alors à quoi ça va servir vraiment? Est-ce qu'on peut le cuire? Est-ce qu'on peut le manger? Je sais pas. Mais il y a une composante, toujours, avec ce fameux réseau social. Hein, c'est-à-dire que les autres joueurs pourront voir ce que vous avez fait, et vice-versa. Et donc je pense que l'un dans l'autre, chaque joueur va pouvoir aider ou entraider un autre joueur. Mais pas de façon directe. Comme je vous ai dit, c'est un jeu solo, un narratif, mais avec une composante multijoueur, entre guillemets, en ligne, coop plutôt. Et donc ça peut être très intéressant ce côté-là, quoi. Et qu'est-ce que je voulais encore vous dire, oui. Il y a aussi une... pour votre personnage, ce qui va lui permettre de... Vous allez pouvoir le changer, probablement, ses fringues, sa casquette, ses lunettes, ses chaussures, l'intérieur de son espèce de mobilhome qu'il a. Vous allez pouvoir le faire boire. Je pense qu'il y a une composante aussi où il doit s'hydrater, mais aussi picoler. Il doit aussi manger, apparemment. Ça aussi, une composante là-dessus. Il y a un côté assez RPG dans le jeu. Alors il faudra voir jusqu'à quel point ils l'ont poussé réellement. Mais il y a une composante RPG dans le jeu. Vous avez des XP, des levels qui montent au fur et à mesure des missions que vous faites, de ce que vous pouvez faire dans le jeu. Un peu à la manière d'un Horizon, tu vois, d'un Assassin's Creed. Votre personnage aussi, il a la faculté d'avoir un exosquelette, ce qui lui permettra de prendre davantage de poids sur le dos. Et vous pouvez aussi prendre les espèces de colis là dans les mains. Et vous avez également un genre de plateau, mais qui n'est pas sur roulette, mais on va dire comme un overboard. Et là, vous pouvez mettre des colis dessus aussi. Les environnements, ça a l'air assez varié. Ils n'en ont pas trop montré. En tout cas, vous avez toute la map des États-Unis. Alors, il faudra voir au niveau de la map réellement la taille que ça va faire. Ça, on ne sait pas trop. C'est la grosse surprise. On ne sait pas trop. Est-ce que c'est le monde qui est devenu comme ça? Est-ce qu'il y a eu une maladie? Cette espèce de vie parallèle qu'il y a avec d'autres personnages du jeu. Il n'y a pas que ce personnage-là. Vous allez apparemment incarner que lui, mais il y a d'autres personnages. Il n'y a apparemment que des acteurs très très connus. Moi c'est vraiment un jeu que j'attends, que je découvre, mais je ne veux pas trop en découvrir non plus. Je me laisse vraiment la surprise quand le jeu sortira. Déjà maintenant, le jeu est très clivant. Et c'est ça qui est bien. Parce que c'est un jeu d'auteur, de nouveau. Un peu comme Red Dead, qui a été un jeu d'auteur. Il y a eu des parties prises qui ont été prises, justement, par les développeurs. Alors ça va plaire ou pas. Mais c'est ça qui est bien. C'est un jeu d'auteur. Et c'est souvent un jeu qui est clivant. Parce que c'est pas un jeu pour tout le monde. C'est-à-dire que soit tu as vraiment adhéré, soit pas du tout. C'est ça qui est bien. Enfin, je pense que je vais adhérer. Et on verra bien. Voilà, c'était un petit bloc vite fait comme ça. Je voulais vous en faire un sur ce jeu. Je pense que je vous en ferai un autre une fois que le jeu sera sorti et que j'aurai joué pas mal d'heures dessus, histoire de faire un petit refresh exact sur ce jeu qui est...
jeu de la PS4, je pense, à sortir en fin d'année. Et il en restera encore deux. Après, ce sera Ghost of Tsushima. Et je pense qu'on terminera en beauté avec The Last of Us Partout. Et voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de ce jeu. Est-ce que vous avez déjà vu des vidéos? Est-ce que c'est un jeu qui va vous attirer ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez du gameplay? Mettez-moi ça là en bas dans les commentaires. Je vous remercie encore d'avance. Et bah voilà, j'espère que cette petite vidéo un peu différente vous aura plu. Allez, je vais finir mon petit café.